Et donc salut à tous et à toutes, c'est AfterzGamer Cards of Fallen. On se retrouve pour une vidéo découverte. Il y a déjà eu la précédente vidéo découverte qui était sur Rise of Mythos. Aujourd'hui c'est sur Ancient Genesis Modern Infantry Combat. Alors c'est un jeu gratuit FPS disponible sur Steam. Donc je vous en reparlerai ça après. Donc la vidéo va être divisée en deux parties. La première partie ça va être la découverte, donc le gameplay en direct. Donc je vais jouer en même temps que je vais commenter. Et puis quelques explications sur le jeu pour dire un petit peu les options et tout. Dans la deuxième partie, il y aura comment et où le télécharger, parce que je sais pas que j'ai eu du mal à le trouver, mais on le trouve pas dans l'onglet gratuit sur Steam. Alors, on va tout de suite commencer une partie. Alors je vous dis, tout le monde va dire il n'y a pas énormément de serveurs, mais je pense qu'il y en a suffisamment assez. Hein. Juste des fois faut rafraîchir un peu. Parce que ça a du mal un petit peu à charger, ça, c'est souvent ma connexion hein, qui fait ça. Donc on va aller dans cette partie là. J'espère que je peux enregistrer en même temps que ça. Ouais, ça devrait être bon. Je pensais que ça allait pas le faire en même temps. Alors. J'ai les bonnes touches. Alors, dès que vous avez commencé le jeu, je vous conseille direct de mettre. Enfin, de faire les options. Parce que si vous jouez en. Là où ça va être en QWERTY, vous avez juste à changer les touches. Ouais, parce que sinon c'est très embêtant si vous voulez avancer avec W. Alors, c'est un petit peu très énervant. Vous allez voir, c'est très très bien comme jeu. Quand on veut, enfin quand on a du temps, on peut jouer, c'est vraiment très très cool. Il fait 2,5 Go si je me trompe pas. C'est pas énorme hein, quand même. Bon allez, j'espère que ça va un petit peu se grouiller. Ça serait pas mal. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, tout simplement parce que mon micro du Triton, quand j'enregistre avec, ça fait des bruits bizarres par dessus. Mon micro que j'utilisais d'habitude, il fait un bruit, il marche plus du tout. Donc là j'utilise un autre micro que j'ai emprunté à quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Alors vous pouvez voir ici, donc là c'est la classe US Marine et Insurgents. Moi je vais aller dans Squad, dans la version partie. Et là vous êtes disponible, là vous avez des classes disponibles selon, je sais pas pourquoi, mais au début on a que cette arme, on a vu la M16 à quête, donc on a vu, je crois qu'on débloque après. Alors quand on va dans, je sais pas pourquoi il y a deux colonnes par contre, non, je change pas trop. Alors quand vous mettez dans le premier, donc en B1, donc il y a marqué B1 en vert, vous pouvez changer d'équipement, donc là je peux avoir un viseur ou une poignée. Ensuite en B2, là ça change pas, enfin je vais dire plutôt non, donc en sergent, poignée ou viseur, rifleman normal. Rifleman le B3, donc B3 pareil normal, et un support c'est une mitrailleuse, donc la M249 SO. D'autre côté pareil, rifleman pareil, voilà. Et ce, je crois que quand on joue les terroristes, je crois que c'est ça, et bah on a des AK-47. Là on peut changer notre le skin du personnage. Donc allez c'est parti. Voilà. Franchement le jeu je trouve qu'il est assez bien fait hein. Ça je l'aide pas trop. Faut que je trouve dans les options pour rester appuyé pour viser, parce que j'aime pas trop cliquer plusieurs fois. C'est un petit peu, voilà. Alors vous voyez c'est assez bien fait, on peut courir, on peut bien sûr sauter. Alors ce qui est un petit peu énervant, c'est qu'on sait pas qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Par exemple lui on voit pas, à part si on le vise, c'est en vert donc c'est un allié, à part parce qu'il a des habits de marine, donc moi je suis en marine. Oula, y'a un mec qui a essayé de me tuer là-bas. Non, ça c'est des alliés par contre, je sais pas trop, pas énormément d'ici. Donc la marine, quand vous voyez qu'ils ont pas les mêmes habits que vous avec un casque et tout, c'est vos alliés. Mais quand c'est des terroristes, ils ont des habits bah, des terroristes quoi, simplement. Ouf. Donc moi pour me coucher c'était rien, donc je conseille vraiment d'aller dans les options. Putain je me suis fait tuer, dommage. Donc quand vous mourrez vous respawnez directement, il n'y a pas de délai d'attente. Que c'est use weapons, c'est mon pencher supplice valable, c'est quoi ça, je vois. Vous voyez en plus on peut tuer nos alliés, donc ce que je vous déconseille fortement. Ouf, il fait pas battre. Donc on peut prendre les armes des autres bien sûr. Hop, lui par exemple il avait un joli viseur, je couche, je vois pas. Je vois pas. Si des fois vous mourrez pour rien, c'est vos alliés qui vous ont tué pour le plaisir. Je crois qu'au bout de quelques kills, au bout de quelques fois qu'on se fait tuer par nos alliés, et bah il doit être banni ou un truc comme ça.
Donc hop, ok. Alors on peut se pencher comme vous avez vu, mais j'ai que E, donc je sais pas quelle touche c'est l'autre. Ça c'est pour parler. Ah, je trouve la map. Je l'ai perdu. Change your team. Ah, ça, donc ça c'est pour la classe, donc c'est où il y a la virgule et point d'interrogation. C'est stand by, ok. Ouais, bah je sais pas, je regarderai plus tard. Alors, oui, donc X, c'est pour la rafale, donc par exemple là, vous pouvez voir en bas à droite, enfin, je sais pas si vous voyez, là j'ai une balle, du coup je tire un coup, coup par coup, et là je tire en mode voilà, pour recharger R, donc je crois qu'on peut recharger même si, ouais, on peut recharger même si on a max de balles. Alors je vais essayer de faire un kill, donc parfois quand on fait un kill ça se voit pas non plus. Franchement, ce jeu il est pas dégueulasse en niveau texture, il est... Voilà, moi je joue en médium, hein, ce qui, je pense que c'est voilà. Les graphismes, voilà, mais franchement pour un jeu comme ça, je pense que c'est un petit peu, que c'est suffisant. Alors, je connais pas énormément la map, que je découvre en même temps. Le jeu, je l'ai que depuis une heure ou deux, hein, c'était, et puis voilà. Hein. Alors déjà, en plus on est en vacances, donc je pense faire plus de vidéos, en plus c'est vacances de Noël. Ah, un ami. Oulala. Beaucoup de recul sur cette arme. Je sais pas si je l'ai tué. Non, je l'ai pas tué. Il m'a lancé une grenade d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc là, en faisant la molette, là, il est là. Ouf, je suis mort. Dommage. Bon, autrement, dès que vous apparaissez, vous avez un nom aléatoire. Donc un nom que vous allez devoir changer en faisant échappe. Donc là, vous avez juste des serveurs. Je ferme, tiens. Dans options, là, vous pouvez changer votre nom. Donc moi, j'ai mis After Gamer 49. Là, les claviers, la souris, l'audio, vidéo. Là, vous, moi, j'ai mis en résolution, voilà. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, je suis en moyen, détail de l'image élevé, d'accord. Donc, c'est pas un excellent jeu. Enfin, il est bon, mais ses graphismes, ils sont pas excellents, on va dire. Moi, j'ai envie de... Allez. Faut pas que je tombe dans le trou. Franchement, c'est un très bon jeu pour quand vous jouez avec des copains et que vous avez pas forcément... vous avez pas forcément les moyens d'en acheter. Jeux FPS du style Call of Duty, ma perso j'en ai, donc enfin voilà, donc moi je vous fais découvrir des jeux gratuits, hein. Donc j'en ai déjà un pour mardi soir, vu que vous inquiétez pas, c'est pas parce que mercredi c'est Noël que mardi il y aura pas de vidéo, donc je ferai une vidéo mardi soir ou mardi après-midi sur je sais quel jeu, mais je vous le dis pas pour la surprise. Alors pour le précédent, donc enfin la précédente vidéo, j'ai fait un concours, mais il y a ça en fout, lui saute, j'ai pas. Donc je l'ai tué, voilà. Alors vous voyez, il n'y a pas énormément, j'ai juste marqué dans le chat, c'est marqué où, voilà, After Gamer qui l'aide, Alex Trucmouche. Enfin bref, donc je sais plus, dans la précédente vidéo... Ah bah ça va, tranquille. Dans la précédente vidéo, j'ai fait un concours, mais il n'y a pas eu énormément de participation, c'est-à-dire qu'il n'y en a eu aucune. Ah, je suis beaucoup de kills là-dedans. Ah bah je suis mort, tant pis. Donc il n'y a pas eu de participation, il y a eu des vues, 13 vues, un truc comme ça. Mais pas de participation, donc si je vois qu'il n'y a personne, je donnerai cette clé à un de mes amis qui fera peut-être plus usage que moi. Enfin moi personnellement, je joue plus au jeu. Enfin simplement parce que ça ressemble trop à League of Legends, sauf que c'est des personnages de Marvel. Que bah voilà, je trouve que ça copie trop. Du coup bah je préfère les installer. Ennemi là-bas. Ouais, la visée par contre ça prend un petit peu trop l'écran, hein, c'est pour ça. Mais je sais pas vraiment si on gagne des armes. Je pense pas, mais c'est selon notre équipe ou selon la map. Donc pour l'instant j'ai fait que cette map là, hein, c'était parce que voilà, c'est voilà, purée, je sais que de mourir. J'ai fait que cette map là, je sais pas vraiment pourquoi. Mais depuis tout à l'heure je suis sur serveur là. La partie, il n'y a pas de limite de temps, je crois. Ah si, il y a 6 minutes. Je vais voir si je peux changer de classe pour vous montrer un petit peu. Alors je vais peut-être sergent, je vais essayer la lunette. Voilà, donc à la prochaine réapparition. Alors, ils me disent de faire page up, mais moi je fais page up là, mais j'ai rien. Je vais voter tout le monde, je vais passer. Ouais, mais je sais pas ce que c'est page up. J'essaie les flèches du haut, ça fait ça, moi je crois. Alors j'ai une flash aussi, ça je sais pas, tout à l'heure j'avais pas de flash. Hop. Ah, et donc là j'ai la poignée, d'accord. Ah, ça m'énerve. En plus, on sait pas vraiment quand on meurt, enfin
J'ai l'impression qu'il avait un sniper, donc moi j'ai pas de sniper bizarrement. Faut vraiment que je regarde un petit peu le... Attendez, je vais regarder, tiens. Je suis sûr... Classification... Je suis sûr il y a d'autres trucs. Il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Sûr, il y a d'autres armes. Il faut faire une touche. Ça a pas l'air d'être bon. D'accord, donc je sais pas. Hop, je sais pas vraiment. Une CQL. Franchement, ce bizarre là, ouais, il est pas mal ce bizarre. Enfin, je vous conseille vraiment ce jeu hein, quand vous avez du temps libre. Hein. Il est exceptionnel. Franchement, je pensais pas qu'il allait avoir ça. En plus, sur Steam, on peut aller voir dans l'onglet gratuit, il n'y est pas ce jeu. D'accord, je suis mort. Il n'y est pas. Alors, je pense que je vais arrêter la partie. Enfin, je vais arrêter le petit gameplay parce que sinon, ça va être trop long. Et Fraps prend énormément. Donc, j'essaie de faire un petit kill et après, je pense arrêter. On va passer. Ensuite, on va passer au téléchargement. Voilà, il y a une ficelle. D'accord. On va passer où est-ce qu'il faut télécharger tout. Hop, ouais, vous allez voir, c'est très très simple. Après, faut trouver un. Hein. D'accord, ça fait bobo. Vous allez voir, c'est assez simple à trouver. C'est juste, en plus, il y en a plein des jeux gratuits qu'on ne voit pas. Franchement, on les voit pas du tout. Hein. Mais c'est gratuit, c'est génial. Comme ce jeu qu'on ne voit pas dans l'onglet gratuit, qui est vraiment pas mal. Hop, je vais essayer d'aller faire un petit peu de kill. Une grenade là-bas, là. On en a plusieurs, d'accord, on en a deux. S'il vous plaît, je veux sauter là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller là? Oula, j'ai bien une lumière. D'accord, bon, il m'a tué. Bon, allez, ça va être la dernière partie. On se retrouve tout de suite pour le téléchargement. Allez, à tout de suite. Donc, pour pouvoir télécharger le jeu, il faut tout simplement aller sur Steam, dans l'onglet magasin. Aller ensuite dans l'onglet recherche dans le magasin. Hop, je vais tourner un peu. Et là, vous soit vous marquez directement Uncharted. Attendez, je vais l'écrire. Alors, Uncharted. Hop. Et là, vous avez directement Modern Infantry Combat. Donc, faut savoir que c'est un mode. Hein. Enfin, il y a marqué que c'est un mode Dave of Defeat, un truc comme ça. Mais moi, je n'ai pas le jeu du tout. Enfin, j'ai pas du tout le jeu qu'ils disent. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça. Allez. Bon, moi j'ai pas du tout les jeux qui recommandent bizarrement, mais ça marche. Donc, hop, et puis là vous pouvez voir ici qui a marqué pour utiliser ce jeu vous devez être équipé d'un moteur source comme Counter-Strike Source, Half-Life 2 ou Day of Defeat Source. Cliquez ici pour obtenir la liste des jeux. Voilà. Donc moi perso je n'ai aucun de ce qu'il y a dans la liste, si je m'abuse. Donc faites directement jouer au jeu et ça va vous lancer truc d'installation. Alors aussi petite astuce. Pour avoir d'autres jeux gratuits. Alors dans la barre de recherche vous mettez rien, vous cliquez directement sur la petite loupe à côté. Enfin la petite loupe, ouais c'est une loupe, ouais. Et là vous dans là ici dans le terme recherche vous mettez rien. Et dans tous les articles vous mettez mode ici. Et là vous aurez plein de modes gratuits. Donc il y en a qui marchent sans jeu, il y en a qui marchent avec. C'est-à-dire que celui-là il faut avoir le jeu, celui-là aussi, celui-là non, je crois qu'il faut pas l'avoir. Celui-là je vais essayer tout à l'heure. Celui-là Smash Ball je vais l'essayer après. Enfin il y a vraiment plein de jeux. C'est là où j'ai trouvé genre Synergy, voilà il est là. Zombie Panic Source pareil, il est très très bien comme jeu. Synergy celui-là il marche pas, je sais plus ce qu'il me faisait. Il me faisait un bug, je sais pas quoi. Enfin il y a vraiment il y a deux pages. Vraiment il y a deux pages remplies de trucs assez sympas, gratuits. Vraiment très pas comme celui-là Zombie Panic hein, mais celui-là il est un petit peu, les graphismes sont pas très beaux je crois. Vampire Slayer, Action Half-Life par exemple, quand je clique sur Vampire Slayer ils vont souvent mettre visiter le site web, donc vous cliquez, il y aura marqué directement télécharger ou un truc comme ça, installer download, vous avez juste à download et à lancer le point X qu'ils vont vous donner et vous avez juste à installer, redémarrer Steam et c'est bon. Bon bah merci, c'est tout un petit peu près, c'est à peu près tout. On peut voir, attendez, mes jeux que j'ai, donc enfin je sais pas si c'est à cause de mes Counter-Strike, mais je pense pas, enfin hein. Voilà, c'est pas vraiment à cause de ça. Bah c'est à peu près tout, merci d'avoir regardé,
Donc le prochain jeu à découvrir, vous serez mardi, bien sûr. Mardi prochain. Sur ce, les amis, à mardi. Oula, j'ai un peu de mal. Voilà, je la refais. Sur ce, les amis, à mardi. Allez, ciao, bye.